Né à Kunshan, dans la province du Jiangsu, le Kunshu est imprégné depuis des siècles de l'aura unique des régions situées au sud du fleuve Changjiang, ce qui lui confère tendresse, délicatesse et élégance. Ce seul et unique musée de l'opéra Kunshu en Chine était autrefois une maison de guilde construite par les audacieux marchands du Shanxi. Il y a plus de 300 ans, là où il y avait des marchands du Shanxi, il y avait aussi leur maison de guilde. Ici, les galettes de sarrasin du nord du Shanxi et les boulettes de riz glutineux du sud de la Chine étaient servies ensemble. Les voix puissantes de l'opéra Pangzi et les chuchotements tendres du Kunshu se mêlaient et se faisaient écho. Le mandarin des habitants du Shanxi et les doux dialectes du Jiangsu et du Zhejiang étaient souvent entendus dans les conversations. Différents éléments ont coexisté en harmonie et ont été promus ensemble. Le développement du lieu reflète pleinement la culture chinoise de l'harmonie que les gens suivent toujours par instinct. À son apogée, il y avait 558 maisons de guildes appartenant aux marchands du Shanxi. Celles-ci couvraient presque toutes les villes et tous les ports commerciaux du pays. On en trouvait même en Europe ainsi que dans certains pays asiatiques. Au fur et à mesure que le spectacle sur scène s'améliorait, les spectateurs se rapprochaient de plus en plus. De l'assistance mutuelle entre individus à la collaboration entre groupes de marchands, puis à la coopération internationale, les marchands du Shanxi ont répandu leur philosophie d'entreprise, marquée par l'harmonie et la solidarité, sur chaque parcelle de leur territoire commercial. À Nanyang, dans la province du Henan, la rivière Panhe et la rivière Zhaohe traversent l'ancienne cité de Shedian, vieille de 1900 ans. Des milliers de bateaux passent pendant la journée et d'innombrables lumières éclairent la nuit. Sous les dynasties Ming et Qing, cette cité était un quai de renommée nationale et la station de transit de la grande route du thé. La cité de Shedian représente la moitié de l'histoire commerciale. Il y a plus de 200 ans, diverses pièces de théâtre magnifiques ont été jouées sur ce kiosque à musique co-construit par les marchands du Shanxi et du Shaanxi. Cependant, cette scène animée et extraordinaire est en fait une punition institutionnelle. Dans le passé, les marchands du Shanxi avaient l'habitude de construire leur kiosque à musique en face de la salle principale dédiée au dieu Guangong. Quiconque enfreignait les règles se verrait infliger une amende pour payer une troupe de théâtre qui chanterait et s'excuserait auprès de Monsieur Guan. Sous le règne de l'empereur Yongzhang, de la dynastie Qing, certains marchands déloyaux ont fait des profits indus en utilisant deux balances différentes. Certains clients ont dû apporter leur propre balance lorsqu'ils faisaient des achats au marché. Pour préserver l'équité du marché et mettre fin à la fraude commerciale, les marchands du Shanxi et du Shaanxi se sont réunis dans la maison de guilde pour trouver une solution. Ils ont finalement décidé d'établir un ensemble de règles et de normaliser les poids et mesures de la balance. Et ceux qui refusaient de suivre la norme seraient punis en offrant aux autres trois représentations d'opéra. Un système de punition plein d'humanité a été gravé sur cette stèle froide et dure. Il s'agissait d'une cérémonie, mais plutôt d'une déclaration, selon laquelle le système était aussi inébranlable que la pierre. La stèle règle et règlements sur la balance d'Angzi pour les marchands itinérants, érigée en 1724,
est considérée comme l'une des premières réglementations de gestion commerciale en Chine. Grâce à ces quelques lignes, l'ordre du marché, qui était auparavant simplement maintenu par la vertu et l'autodiscipline, est devenu pour la première fois régi par des règles et des règlements clairs. Cet événement a précédé de plus de 80 ans l'adoption par les Français du premier code commercial au monde. Le terme « droit commercial » n'ayant pas encore été créé, personne ne pouvait définir ce qui était légal et ce qui ne l'était pas, sans parler des sanctions. Bueno, la première organisation fue en Londres, el Engineering Standards Committee, que se creó en 1901. Y que luego posteriormente en 1931 pasó a ser la British Standard International Organization, ¿no? La organización que se encargaba de los estándares británicos, ¿no? Sí, en cierto sentido era similar, porque ponían unas reglas sobre los productos que había que comerciar, ¿no? Unos estándares de calidad. Pero los estándares de los comerciantes de Shanxi yo creo que fueron un buen precedente para este tipo de organizaciones, ¿no? Porque ellos habían comenzado ya a tener estándares mucho antes, ¿no? En el siglo XVIII, incluso a principios del siglo XIX. Au sein de la coopération économique internationale, les relations commerciales normalisées sont mutuellement bénéfiques et se fondent sur la base d'un échange réciproque plutôt que sur des jeux à somme nulle dans lequel il n'y a qu'un seul gagnant. 公平交易、互利互利已经成为我们国内外的交易者所共同遵循的一种国际的理念或国际规则。 但是呢，在中国传统社会时候，我们的商法商律是缺失的，而政府呢对经济对市场的管理又相对的松散。在这样的一种环境下，我们山西商人为了更好的维护市场交易的主体的一个利益，所以他们就成立了会馆，组成了一些所谓的商业组织，共同的维护它的商业秩序。山产会馆呢，就是我们山西人和陕西商人在异地共同组建而形成的一种联合体。 Parmi les 9 stèles conservées dans la maison de guilde Shanxi-Shaanxi de la cité de Shedienne, 7 font état de règles d'éthique commerciale formulées conjointement par les marchands du Shanxi et du Shaanxi à l'époque. La stèle des règles convenues pour les épiceries, gravée en 1785, contient plus de 18 règles commerciales. 这块石碑的内容呢，涉及面非常广，比如说不能私自设立招牌，不能强买强卖，不能打价格战等等。这些呢，其实是当时秦晋两地商人共同商议的一种行业规则。所以说，山产会馆不仅仅是一个通商情从中意的地方，它更是一个行业的一个自律机构。正是有了这种自律，商人们才形成了巨大的合力，才促使当时的商贸迅速发展。 La recherche de l'harmonie et de la coexistence se trouve depuis toujours dans les gènes de la nation chinoise, en étant la quintessence de la civilisation orientale. L'harmonie fait de la puissance et la coopération assure des progrès durables. Ce lutin âgé de milliers d'années s'appelle Xiao Yo. Il ressemble à deux mignons hiboux s'accrochant dos à dos. Le couvercle et le récipient sont emboîtés l'un dans l'autre, ressemblant au caractère chinois ancien « he » qui signifie « unité ». Il s'agit du totem spirituel du peuple du Shanxi, qui illustre parfaitement la profonde sagesse de la civilisation chinoise, à savoir son caractère tolérant et accueillant, ainsi que son idée d'avancer main dans la main, en harmonie. Le monde existe et se développe grâce à l'unité. Les marchands du Shanxi, il y a plus de 200 ans, l'avaient déjà compris. Aujourd'hui, face à la mission mondiale de construire une communauté de destin pour l'humanité et au choix entre des jeux à somme nulle et une coopération gagnant-gagnant, les Chinois ont une fois de plus apporté une réponse ferme, adhérer aux principes dits de concertation, synergie et partage et agrandir le gâteau de la modernisation de l'humanité. Cette foi solide provient de la culture de l'harmonie qui est profondément enracinée dans l'ADN de la nation chinoise.
Anhui, dans la province du Hunan, les hommes chantent cette chanson de la préparation du thé depuis plus de 200 ans. Une équipe d'hommes robustes chante avec vigueur alors qu'une grande quantité de thé post-fermenté prend vie. En fonction des différents processus de production et des degrés de fermentation, les Chinois classent le thé en thé vert, thé blanc, thé jaune, thé oolong, thé noir et thé post-fermenté. Anhui est la ville natale du thé post-fermenté. C'est en direct que Gong Yichang, descendant de la troisième génération de Yun Traiya, rencontre un marchand de thé du Shanxi. Il y a plus de 200 ans, à la saison du thé post-fermenté, un marchand de thé du Shanxi a rencontré Shen Guanying, un marchand de thé d'Anhui sur la rivière Zhejiang.这条江叫资江，是长江支流，湖南四大河流之一，是历史上安化黑茶向外运输的黄金通道。200多年前，晋商常家的马掌柜来到安化采办茶叶，就在这条江上，马掌柜乘坐的木船触礁进水，刚好碰到了回乡探亲的慎家先祖慎冠英，于是便搭船同行。搭船了，搭船了。 今天我要搭的这条船是慎家第七代船人慎昌美的船。来来来，快上船，咱们出发吧。好。据说那年慎观音的船驶入了安化和桃江的交界处，这个时候突然出现了一帮劫匪。 当时马掌柜身上还带有一大包银子。对，没错。当时这种情形下，我们家这位老爷爷急中生智，用船篷做掩护，把银子就藏到了芦苇荡中。那劫匪上了船之后，就没有收到任何有价值的东西，只能扫兴而回。我们家老爷爷翻回去芦苇荡，把马掌柜的银子又拿出来，保全了我们马掌柜的财产。 Plus tard, Shen Guanying a appris que M. Ma, originaire du Shanxi, était le directeur de la famille Chang à Yuzi. Il se rendait à Anhui pour acheter du thé. Par coïncidence, la famille Shen était une famille réputée pour sa production de thé à Anhui. Les deux hommes ont passé un bon moment, ce qui a donné lieu à une coopération liant le Shanxi et le Hunan le long de la grande route du thé. En 1810, la famille Chang de Yuzi au Shanxi et la famille Shen d'Anhui au Hunan ont créé ensemble la marque Jinfenghou. Les treillis de fenêtres en bois avec des motifs sculptés et des seuils élevés, caractéristiques des résidences du Nord, ont été incorporés par la famille Shen dans leur maison du Sud. Ils ont ainsi commémoré une amitié entre le Shanxi et le Hunan il y a plus de 200 ans. Et l'histoire du thé de Mil Tael est toujours racontée dans les deux provinces. 这个就可以啊，这个就是五年左右，这个时候就可以了。来到安化，我发现这里盛产竹子。当年山西商人一路贩茶，也发现了这一点。他们利用竹片编成篾篓，制成井压茶。 既节省了空间，又能防止茶叶走位变质。这就是用竹篾压制成的千两茶，号称世界茶王。
每卷茶以老秤计算是1000两，也就是现在的36.25公斤。Le thé de 1000 taël pesait en réalité plus de 1000 taël. Pendant le transport terrestre, le climat sec faisait rétrécir le thé, de sorte que les marchands de thé en ajoutaient toujours 100 à 200 taël dans l'emballage pour s'assurer que le thé livré puisse peser au moins 1000 taël. Il existe bien d'autres histoires entre les marchands du Shanxi et les marchands de thé d'Anhui que celles des familles Chang et Shen. Au musée du thé poste fermenté d'Anhui au Hunan, le résumé commercial datant de plus de 200 ans relate les scènes d'un marché prospère du thé le long de la rivière Zhejiang. À l'époque, Anhui avait une fille, c'est-à-dire que c'est un thé, c'est un thé, c'est un thé, c'est un thé, c'est un thé. 其实就是讲安化有很多人一年到头就是以茶叶为生，如果山西客人不过来，他们的茶叶卖不掉，就一年的生计就没有着落。 Sous la dynastie Qing, plus de 300 marchands du Shanxi ont ouvert des magasins de thé le long de la rivière Zhejiang. Les inscriptions sur le pont de Yongxi nous révèlent qu'ils ont fait des dons pour sa construction.Musée du thé poste fermenté se trouve la cloche à thé offerte par les marchands du Shanxi et du Shaanxi. Sur le long chemin du thé, les précieux souvenirs de ces moments difficiles, traversés main dans la main, au-delà des montagnes et des mers, sont également gravés par les descendants des commerçants du Shanxi dans ces élégantes structures du sud.比如这个就是典型的南方砖雕，您看小狮子的表情调皮可爱，它和北方的这种庄重威严的狮子的表情呢，在风格上有很大的差别。这边是雕刻的太湖石，那边呢雕刻的是寿山石。现在我们看到的庄园里面有一些砖雕，都是当年常家从扬州带回来一些工匠，用江浙一带的紫金泥先雕后烧，最后成型。而且当时我们常家庄园里种植了大量的这种南方的植物，形成了一座典型的南北文化这样融合的园林。L'herbe, les arbres, les briques.Les tuiles ainsi que d'autres éléments gracieux du sud semblent n'avoir aucune difficulté à s'adapter sur le plateau de Los. Ils ont pris racine dans cette terre. Toutes les cours, sans exception, portent dans leur nom le caractère chinois He qui signifie littéralement harmonie, comme le Hall Yanghe, le Hall Tihe, le Hall Guanghe, le Hall Guihe.算盘一响，白银万两。这是经商票号三年一次的股东分红大会，全场最高股拿到15000两分红，而当时的中国，一个县官的年薪也不过1000余两。19世纪20年代到20世纪初，全国50%以上的金融机构都挤在这条不足800米的街道上。也是在这里诞生了中国票号业最早的股份合作制。Lors de la création des premières banques privées, les marchands du Shanxi avaient déjà compris que même la richesse accumulée par une famille au fil des générations ne pouvait pas couvrir l'énorme capital nécessaire à la création d'une banque privée. Mais s'ils pouvaient rassembler les richesses dispersées parmi leurs pairs,
et former un système collaboratif d'intérêts communs, ils seraient en mesure de résoudre le problème des fonds et de parvenir à une situation gagnant-gagnant durable. C'est ainsi qu'est né le système des sociétés anonymes, Yingu. Yingu, c'est le 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 Yingu, 这个股东呢，大概多的时候呢有二十多个人，少的时候呢也有十多个人，他们每人出资的数量，啊，少的有几千点，多的时候呢可以达到几万点甚至几十万点。这样的话呢，众多出资人就坐在了一条船上，他们同舟共济，共谋发展。Dans le mécanisme d'actionnariat mis en place par les marchands du Shanxi, outre les parts financières, il y avait aussi des parts de travail.Xu Ke, érudit de la fin de la dynastie Qing, a écrit dans l'anthologie des petites affaires des Qing que ceux qui offraient des fonds avaient des parts financières et que ceux qui offraient de la main-d'œuvre avaient des parts de travail. Ceux qui avaient des parts de travail étaient également considérés comme des partenaires de l'entreprise et partageaient donc un destin commun avec celle-ci. Ma Sun était vendeur dans un magasin de céréales de Fushangxi.Qui appartenait à la famille Tiao dans le district de Ti. Au cours de ses 4 années d'apprentissage et de ses 10 années de travail, il a conclu près de 80% des affaires du magasin. Grâce à ce super vendeur, le magasin pouvait faire des bénéfices chaque année et même le magasin central de Fushangxi comptait parfois sur lui pour couvrir son déficit. Bien que Ma Sun soit un talent commercial rare,Son salaire annuel n'était que de 20 taels d'argent. Le directeur du magasin, quant à lui, pouvait gagner plus de 1000 taels d'argent par an et recevoir un dividende de plusieurs dizaines de milliers de taels tous les 3 ans. À cause de cela, ce vendeur ambitieux a présenté sa démission. Ce tiao-duan, ça se réfère à ce qui est un problème commun, c'est-à-dire que les marchands.享受深股分红的只是少数的掌柜和重要人员，而一般伙计以至于学徒他们是无法享受的。这样的话就导致许多的学徒在出徒以后纷纷辞职离校，自立门户，这又造成了人才的流失，对于企业的发展非常不利。Personne ne s'attendait à ce que la démission d'un commis devienne une note de bas de page légendaire pour une réforme de grande envergure. En pensant au talent de l'entreprise, au profit immédiat et au développement à long terme, les marchands avisés du Shanxi ont pesé le pour et le contre.马寻要辞职之后，乔致庸做出了一个巨大的决定，也就是，凡是愿意跟乔致庸在字号里面继续创业发展的，给他们酌定一定的升股。Les talents sont toujours la plus grande force productive. Qiao Zhiyong, qui en était parfaitement conscient, ne voulait perdre aucun talent ayant le potentiel de créer plus de richesses et d'opportunités pour lui.之前改革的核心呢，就是由高层享受升股扩展到普通的员工，它是一种升股制度的进一步创新，无论职位和身份的高低，一律按照劳动来进行分配，论贡献来取得报酬。中国人呢比较崇尚和为贵，而平等是合作的前提，我们说呢也是和衷共济的一个基础。La réforme du système des parts de travail a rapidement motivé les employés, ce qui a permis à Qiao Zhiyong de gagner de plus en plus d'argent et d'ouvrir de nouvelles succursales les unes après les autres. Au cours de la décennie suivante, bien qu'il ait reversé plus de la moitié des bénéfices à ses employés, ses revenus étaient 18,81 fois supérieurs à ceux d'il y a 10 ans.Les marchands du Shanxi ont créé une communauté d'intérêt pour les employés et les entreprises, accomplissant ainsi un exploit novateur dans l'histoire de la gestion des ressources humaines en Chine.
L'énorme pouvoir libéré par ce changement fondamental a également permis aux marchands du Shanxi d'étendre leurs activités sur les marchés internationaux. Un âge d'or pour la conduite des affaires à l'international a commencé. La prospérité, la fortune, la longévité, le bonheur et la richesse sont les cinq bénédictions de la culture chinoise traditionnelle. L'expression « arrivée des cinq bénédictions » représente le souhait du peuple chinois pour une vie paisible et heureuse. Depuis les airs, ce complexe de bâtiments ayant la forme du caractère chinois « shou », longévité, se divise en trois cours. C'est pourquoi il a été baptisé « hall de la triple abondance », ce qui signifie « fécondité », bonne fortune et longévité. À l'époque, la famille Cao de Traigu a construit quatre cours nommés respectivement prospérité, fortune, longévité et bonheur. C'est la seule qui subsiste aujourd'hui, ce qui révèle déjà à quel point la famille Cao était riche à l'époque.这张纸叫钱帖子，是一种原始纸币，在钱帖子上注明银两的数量和金额，就可以代替现银流通支付。清光绪年间，各家票号为了方便客户不用随身携带大量现银，纷纷发行钱帖子，可一些别有用心之人却惦记上了发行量较大的瞿桥两大商贾。 Des rumeurs circulaient intensément, selon lesquelles le papier monnaie émis par les familles Chu et Tiao était sur le point de se déprécier, ce qui a poussé les clients de tout le pays à se ruer vers les agences pour échanger leur papier monnaie contre de l'argent. Cette ruée a été si importante que même les familles les plus riches n'ont pas pu y résister. Les familles Chu et Tiao ont fait tout ce qu'elles pouvaient, mais leurs succursales au nord-est du pays et en Mongolie intérieure ont fermé les unes après les autres. Elles n'ont eu d'autre choix que de demander de l'aide à leur vieux rival, la famille Cao. Concurrence ou fusion, moralité ou profit, tirer profit des malheurs d'autrui ou leur donner un coup de main. Après plus d'une décennie de rivalité, et alors que la victoire était à portée de main, la famille Cao a inopinément tendu la main à ses rivaux à la dernière minute. En annonçant que le papier monnaie émis par les familles Tiao et Chu pouvait être échangé contre de l'argent dans les succursales de la banque privée de la famille Cao. Cette nouvelle a rapidement mis fin à la ruée bancaire. Quand on a eu la crise du marché, les trois familles ont été en train de 曹家的实力挽救了两家企业生存的危机。经商在市场风险中，在处理风险事件上，坚守和为贵、和衷共济，这个品质十分宝贵。 La décision de dernière minute d'offrir de l'aide a permis aux familles Chu et Tiao de survivre à la crise et de poursuivre leur activité. En retour, les deux familles ont fait de nombreuses concessions sur le marché du nord-est de la Chine et ont permis à la famille Cao d'accroître encore sa part de marché. Autrefois concurrents, ils sont devenus des partenaires commerciaux. La recherche du profit est ancrée dans les gènes des hommes d'affaires, mais les marchands du Shanxi ont toujours dit qu'une promesse valait 10 000 taels d'argent. Le respect de l'éthique commerciale a naturellement créé un écosystème commercial sain et un environnement propice aux affaires.
Les commerçants du Shanxi ont compris que ce n'est qu'en travaillant ensemble qu'ils peuvent surmonter les difficultés et parvenir à une prospérité commune. Pour réaliser ce développement durable, le gagnant-gagnant doit devenir la norme pour tout le monde. La philosophie de développement des affaires sur la base de l'harmonie leur a permis de devenir progressivement les commerçants les plus riches du pays. Dans la seconde moitié du 19e siècle, la Chine était sur le point de tomber, tout comme le soleil couchant. La dynastie Qing se décomposait au gré des crises internes et externes, et elle n'était plus en mesure de protéger la richesse, la dignité et même la vie de son peuple. La signature du traité de Tianjin, de la convention de Pékin et du règlement sur le commerce terrestre sino-russe, ainsi que l'influence de la rébellion des Taiping, ont entraîné un changement fondamental dans la structure du commerce sino-russe. Les marchands russes avaient désormais un accès illimité à l'intérieur de la Chine pour acheter du thé et ils ne devaient payer que des taxes très faibles. Le commerce avec Kiakta est en déclin. De nombreux magasins de thé chinois ont fermé leurs portes et seuls 10 des 120 magasins sont encore ouverts. L'industrie est à peine vivante. En 1868, il n'y avait plus que 4 magasins tenus par des marchands du Shanxi à Kiakta. Ne voulant pas rester inactifs devant ce péril mortel, les marchands du Shanxi ont décidé de conjuguer leurs forces et de riposter. En 1867, les marchands du Shanxi Chang Huaprang, Yu Pengyun et Kong Guangqiu, au nom de la communauté des affaires, ont proposé au gouvernement de Qing de rouvrir la route commerciale Guihua Kunlun Kiakta, ce qui a été approuvé par le gouvernement. Ils ont également persuadé le gouvernement de réduire les taxes sur le thé et d'autoriser les marchands à se rendre en Russie pour faire des affaires. Les marchands chinois qui avaient dû se retirer à Guihua sous la pression des marchands russes sont revenus en masse à Kiakta. Partie de Zhang Jiakou, Pao Tuo, Ulias Sai, Gopdo et déployée par la chambre de commerce de Guihua, des dizaines de milliers de chameaux chargés de marchandises sont partis pour la Russie. Irkoutsk, Chita, Tobolsk, Tomsk, Novosibirsk, Bisk, Orenbourg, Moscou, Saint-Pétersbourg. Du jour au lendemain, les magasins des marchands chinois se sont étendus à toute la Russie orientale et à diverses parties de la Sibérie. Les marchands chinois ont travaillé ensemble et ont réussi à inverser la tendance, ce qui a été une source d'inspiration pour le pays à l'époque, car la Chine était faible diplomatiquement et elle ne cessait de subir des défaites. Cependant, le prochain défi qui les attendait fut une bataille inégale entre les forces commerciales traditionnelles et une révolution technologique avancée, une confrontation où l'ère de l'information allait écraser et bouleverser la civilisation agricole. En 1871, un câble sous-marin a traversé l'Europe et l'Asie de Moscou à Shanghai, faisant des marchands russes les premiers à dire adieu aux chevaux et à entrer dans l'ère des télécommunications. La clé de la réussite d'une entreprise réside dans la circulation fluide de l'information. Mais comment les chevaux et les voitures de la civilisation agricole pouvaient-ils surpasser le télégraphe de l'ère de l'information ? À cette époque, l'entreprise Dashangkui de Guihua partageait avec ses pairs une méthode ancienne consistant à dresser des chiens intelligents et rapides et à les laisser transmettre des messages entre le siège de Guihua et les succursales. L'utilisation de chiens pour la communication était un secret commercial qui a permis à Dashangkui de conserver sa place parmi les meilleures entreprises pendant des centaines d'années.
À ce stade, l'entreprise a transformé ce secret en une opportunité pour tous ses pairs, sans aucune hésitation. 300年间大声会创造的这种商业奇迹，包括他和商业伙伴之间的这种守望相助，对于商业的这种发展，对万里茶道的商贸的这种流通，发挥了不可磨灭的巨大贡献。 Bien entendu, même les meilleurs chiens qui pouvaient courir jusqu'à 70 km à l'heure n'avaient aucune chance de surpasser la vitesse du télégraphe. Cette course entre les chiens de poste des marchands du Shaanxi et le télégraphe russe, ainsi qu'entre les chameaux et les véhicules de pointe, s'est finalement soldée par un échec pour les marchands chinois en raison de nombreux facteurs, tels que l'inaction du gouvernement Qing et la révolution industrielle. La route du thé qui s'étendait sur des dizaines de milliers de kilomètres a connu une triste mais noble fin. Toutefois, la sagesse collective des marchands chinois qui ont su travailler ensemble et lutter contre les tyrans étrangers a été comme un rayon de lumière sur cette sombre époque de crise interne et externe. Les montagnes majestueuses ne peuvent pas empêcher les eaux de se jeter dans la mer. Bien que les chameaux ne puissent jamais dépasser les trains et que les mains des travailleurs du thé ne puissent rivaliser avec les machines, l'histoire nous a enseigné à maintes reprises que, vivant dans la même société et sur la même planète, l'harmonie dans la diversité est un principe fondamental qui permet aux gens de s'entendre. C'est la règle de base pour parvenir à un partenariat commercial gagnant-gagnant. Et le sens important des efforts conjugués pour construire ensemble une communauté de destin pour l'humanité. Les marchands du Shaanxi, qui ont adhéré à la philosophie de l'union pour la prospérité commune, ont écrit leur glorieuse histoire du commerce. Ils ont également fait leur part dans l'exploration pour la fondation d'un monde harmonieux et civilisé.